Apostle Hyson from Goundary, and I'm here to testify about the goodness of God in my life and my family and my ministry for entering in contact with this great and great ministry, Kingship International Ministry. I want first of all to start with the testimony about my wife. We came here, I and my family, when my wife was pregnant of my third child. The situation was too tough for us, and she was like she was up to die. Bon, si vous permettez, je peux parler en français, pardon. Merci beaucoup. Voilà, je crois que là, je me sentirai un peu plus libre encore. Bien, donc, j'arrive ici à Kingship avec ma famille, donc mon épouse et un de mes fils que vous connaissez, puisque vous m'avez déjà vu au moins sur les écrans. Et la grande surprise, c'est que mon épouse était enceinte, elle menaçait de pouvoir rejeter l'enfant, et non seulement ça, elle-même de mourir. Et quelque temps avant cela, une dame la rencontre et lui fait savoir qu'elle devrait mourir, et même aussi l'enfant devrait mourir, et on devrait m'accuser de l'avoir vendu pour faire avancer mon ministère. Mais je rends grâce à Dieu pour une chose, c'est que lorsque nous sommes arrivés ici à Kingship, après que l'homme de Dieu ait rendu ministère à moi et à mon épouse, et même à mon fils, aujourd'hui, depuis le 14 novembre, mon épouse a donné naissance à une très très jolie fille. Je n'ai juste pas eu l'occasion de venir avec les photos, sinon je serais venu avec. Et ayant donné naissance à cette jeune fille qui s'appelle Jésus Mwendo Chrysoline Sarah Finfleur, ça c'est en ce qui concerne la naissance de ma fille, donc c'était pratiquement impossible pour elle de pouvoir accoucher selon les dires. Je viens maintenant ici donner notre témoignage au sujet de mon ministère. J'ai commencé toute chose d'abord en me retrouvant en location quelque part pour commencer le ministère. Et comme vous pouvez regarder ici, ça c'est la troisième église. C'est-à-dire c'est la troisième fois lorsqu'on était en train de me chasser. Si vous permettez, vous pouvez regarder ici. Voilà. Ici, ça c'est quand je me retrouve dans ma troisième église. Et là, je m'étais rendu compte que chaque fois quand j'allais dans un lieu, dès que je veux commencer immédiatement, je paye un an et le bailleur, juste un mois après, me chasse et me demande de quitter. C'est comme ça que chaque année, j'étais reconnu déjà comme étant le pasteur qui déménage chaque année. Et je ne pouvais pas finir un an sans avoir déménagé avec mon église. Maintenant, donc, partant de là, le bailleur, je paye donc deux ans. Je paye deux ans de location à l'avance et je suis surpris de me rendre compte que il vient juste un mois avant que je n'aie même commencé de pouvoir occuper les lieux, de me demander de quitter. Chose qui n'était pas du tout possible parce que j'ai dit à peine, je n'ai même pas fait un mois, vous me demandez déjà de quitter. Est-ce que c'est possible? On a quand même un contrat écrit et qui est passé auprès de la juridiction et c'est pour deux ans. Mais curieusement, il a insisté que je dois partir. C'est de là donc que je me retrouve en train de quitter les lieux quelque temps après pour me retrouver dans la quatrième église. Là, nous sommes en train de faire les travaux et je suis toujours en train de louer le terrain. Ça, c'est une dame qui avait donc décidé de pouvoir me louer le terrain. Par la suite, me dit donc, bon, ok, pasteur, je voudrais vous le donner. Chose que je lui ai dit, non, je voudrais l'acheter. Je voudrais donner un an et puis après quoi, j'achète le terrain. Curieusement, je ne sais pas, je n'ai même pas pu terminer une année aussi là-bas, que quelques temps après, elle aussi se lève et me demande de partir des lieux. Ça veut dire, je pars de lieu en lieu, locataire étant locataire. Et la situation ne faisait que devenir difficile. C'est donc comme ça que j'arrive ici à Kingship. Et ceux qui se souviennent, l'homme de Dieu a prié pour moi et mon beau-père qui était là présent ce jour, et il a donné une parole: you will not more struggle in your ministry. You are a pastor, but you will not suffer again in Jesus' name. Amen. Cette parole, je vous le dis, m'a suivi dès que je suis arrivé à Gaoubiré. À peine je suis arrivé, c'est là où la dame
j'ai déménagé de la 4e église, me demandant de quitter. J'ai dit, mais l'homme de Dieu m'a dit que je ne vais plus stronger dans mon ministry. Comment subitement, alors où je dois plus stronger, c'est là où la femme là me chasse. Laissez-moi vous dire, j'ai regardé la situation et j'ai dit, Seigneur, si tu m'as appelé pour me faire souffrir comme ça, pardon, c'était mieux de me laisser dans mes affaires. Parce que si c'est que je dois devenir serviteur pour que tout le monde me fasse que les bêtises, je suis un peu fatigué. Je rends grâce à Dieu. Dans mon calme, je suis allé me coucher à la maison. Vous savez, quand toute l'église sait déjà que bon, on a encore chassé papa cette fois-ci. Les chrétiens disent on a chassé papa. Dans la ville, tout le monde n'a pas dit on a chassé le pasteur de telle église. Je me demande, j'ai même fait quoi à qui? Et je suis arrivé à Eliwa, elle me dit, probablement ma fondation travaille contre moi. Dépassé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui dois répondre à cette histoire. Alors, par la grâce de Dieu, vient maintenant cette 6e église. Là, je veux que quelqu'un applaudisse très fort le Seigneur maintenant. Hier, j'étais locataire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, je suis propriétaire. Je m'excuse, je crois que je vais revenir ici avec les documents écrits. Ça, c'est mon église actuellement qui est en pleine construction. Et je voudrais vous le dire, c'est un espace de plus de 1000 mètres carrés. Donc, je suis pratiquement à 1500 mètres carrés ici. Et l'église à elle seule est sur 400 mètres carrés construite, là où vous voyez. Donc tout le terrain que vous voyez autour là, c'est la propriété du Seigneur dans ma vie. Excusez-moi, ce matin j'ai beaucoup hésité pour témoigner, mais j'ai dit pourquoi? Parce que je ne suis pas venu avec les papiers même du terrain. Vous aurez vu mon nom est écrit là. Je suis propriétaire de ce terrain que vous voyez là. Je ne suis plus locataire. Maintenant je suis propriétaire. I am the owner of the place. Praise the Lord. Je veux bénir le Seigneur parce que une fois arrivé ici, l'homme de Dieu a dit quelque chose de très capital. Lorsqu'il a témoigné au sujet, lorsqu'il a prophétisé au sujet de mon beau-père, il a commandé, il a donné une parole, je crois que deux jours encore avant, donc vendredi, à la télévision Kishin, vous pouvez encore me revoir, cette fois-là en bleu, en train d'être de recevoir ce témoignage, en fait cette prophétie de la part de l'homme de Dieu. Vous savez, comme on dit en anglais, iron sharpens iron. Il a fallu que je rencontre aussi un sopa iron pour pouvoir être sharpen. Et une fois l'ayant rencontré, les choses ont changé dans ma vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. S'il vous plaît, je vais revenir ici avec mon épouse, le bébé, les enfants par la grâce de Dieu pour pouvoir dire merci au Seigneur à ce sujet. J'ai seulement crié fort et j'ai dit, il me faut venir d'abord témoigner ça avant de repartir. C'est pourquoi je suis venu. Je veux dire une chose. Peuple de Dieu, quand c'est Dieu qui fait, c'est vraiment lui qui fait. Et l'homme de Dieu en privé pouvait me dire, s'il te plaît, ne te gêne pas. La fête ici là, on ne court pas dedans, on va doucement, doucement. Et vraiment, je me rends compte, on va vraiment doucement, doucement. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Frank, qu'il bénisse Kingship Ministry International et qu'il bénisse toi là. Je crois que je vais revenir et témoigner davantage. Amen. Première chose, vous avez dit ici que le Seigneur m'a utilisé pour dire « Go, you will not struggle again. » Maintenant, le prophétie pour commencer comme le Seigneur veut. Il voulait d'abord que tu quittes dans la maison de cette personne qui fait la sorcellerie. Tu te rappelles. Exactement. Oui, et tu parles là-haut, c'est bon pour toi. Amen.
Amen. Mais je vais te dire, quand tu étais en train de parler comme ce que je vois là, amen, c'est la présente place là-bas. Hein? Oui, c'est la présente place. Voilà. Quand tu parlais, j'ai vu une église, un immeuble, on s'assoit en haut et en bas, en dur. Praise the Lord! En tout cas, je vais témoigner. Ce que vous dites est tellement vrai. Si j'étais venu ici avec mes pasteurs assistants, ils vous auraient dit que exactement, je leur ai dit que ici, ce qu'on doit construire, c'est une église en dur, d'un côté avec étage. Exactement ce que vous dites. Yes. Et ça ne va pas durer. Amen. Amen. Et on nous dit, everybody in that land, or wherever that God has assigned to come and assist you, amen, nothing will delay them in Jesus' name. Amen. Father, thank you, Lord Jesus. Thank you. You will do the work of God without struggle. Cousins, you will do the work of God without struggle. Amen. I will not struggle anymore. Praise the Lord. I saw how the man loved God. J'ai vu comment cet homme aime Dieu. Serve God without struggle. Il a servi Dieu sans clap for Jesus Christ. Acclamons pour le Seigneur Jésus Christ. Thank you, Jesus, for giving me that victory in Jesus' name. It's not only that he loved God, I see a humble man. Non seulement il aime Dieu, je vois en lui. And when you are humble, God will lift you high. Et quand tu es humble, Dieu te lève haut. Clap for Jesus Christ. Acclamons pour le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. It's not my doing, no. Ce ne sont pas mes œuvres. Et les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.